Ronaldo. Laurent Blanc a dit, je ne veux surtout pas qu'il me touche avant moi le ballon. Oui. Oh, la porte s'est fermée. Oui. Ah oui, il y a fait Vieira. Et Blanc, ça fait deux géants devant lui. Les deux battants de la porte se sont fermés devant Ronaldo. 21e minute, toujours 0-0 entre la France et le Brésil. Voilà, un et deux. Moro Silva, Romario. Avec une faute sur Romario. Et un coup franc donc dangereux. En faveur du Brésil. Dangereux parce que à cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos, qui est d'ailleurs déjà au ballon, qui va le poser. Regardez, il la pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, hein, parce que. Mais il a choisi l'endroit où on ne gonflait pas les ballons. Et regardez, il se met presque face au ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied, quelle extraordinaire frappe. Il s'est mis pratiquement en face au ballon. Et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'il allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but, une frappe somptueuse, extérieur du pied, qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos. Effet incroyable donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. Candela,